Les pharaons noirs, Taarka règne de 690 avant Jésus-Christ à 664 avant Jésus-Christ. Et si la grande majorité d'entre nous avait un autre imaginaire noir, peuplé de grands personnages, des pharaons par exemple. J'ai appelé l'un de mes fils Képhren, du nom d'un pharaon de l'ancien empire égyptien. Je voulais lui donner une vision plus ample de l'histoire, qu'il sache par son prénom que l'histoire des peuples noirs ne se résume pas à l'esclavage. En 2003, L'égyptologue Charles Bonnet découvre sur le site de doukiguel en Nubie une fosse contenant sept statues monumentales, dont celle du plus glorieux des pharaons noirs de la 25e dynastie, Taarka. Taarka, écrit l'égyptologue, a un corps de granit noir au grain très fin. Sa chevelure est recouverte d'une calotte ornée de deux cobras. L'un d'eux est coiffé d'une couronne blanche, l'autre d'une couronne rouge, formant un double nœud sur le sommet de son crâne avant de laisser pendre leur queue jusqu'à sa nuque. Son visage allait très fin et régulier, ses lèvres légèrement charnues laissent deviner un sourire. Ses yeux sont fardés, ses sourcils sont épais et rapprochés, son cou est puissant, ses épaules sont larges et rondes. Un pagne plissé moule ses hanches, ses pieds sont revêtus de sandales décorées d'un scarabée ailé qui tient le disque solaire dans ses pattes avant. Une ceinture entoure sa taille avec ses mots, le dieu parfait Vivant éternellement. Lorsque Taharqa est couronné roi d'Égypte, à Memphis, à quelques kilomètres du Caire actuel, en 690 avant JC, il a déjà derrière lui un passé riche en ancêtres prestigieux, car il est originaire du grand royaume noir de Nubie. La Nubie, pays situé au nord du Soudan actuel, était alors appelé le pays de Couche, mentionné dans la Bible, dont la capitale était Napata. Bien qu'elle soit peu connue du grand public, la civilisation nubienne a toujours rivalisé avec les plus grandes civilisations antiques. Nubie et Égypte, telles deux sœurs jumelles, n'ont jamais cessé d'être en contact, comme souvent dans les familles, parfois en paix, parfois dans la discorde. Les Égyptiens ont besoin des métaux de la Nubie, de ses gisements de pierres précieuses, des produits de son bétail et de son génie militaire. Les Nubiens, quant à eux, profitent des biens manufacturés égyptiens. Les deux régions ont donc connu de longues périodes d'échanges, mais aussi de conflits. Bien avant l'existence de taarqa vers 1560 avant JC, les Égyptiens colonisent la Nubie, jusqu'en l'an 1000 avant JC. Cette coexistence de plus de 500 ans engendre la formation d'une nouvelle civilisation, une mise en commun, une mixité de cultures où chacun s'enrichit de l'autre. Tandis que les notables Nubiens envoient leurs enfants se former à la cour des pharaons, les Égyptiens apprennent beaucoup des Nubiens. Arts de la guerre, religion, croyances s'interpénètrent, d'autant que les puissants prêtres du temple de Karnak sont également d'origine nubienne. Les Nubiens et les Égyptiens adorent ensemble Amon, dieu de l'air et de la fécondité. Sa statue se dresse dans le grand temple situé au pied de la montagne sacrée du Gebel Barkal. En Ubie, dont une aiguille rocheuse s'élance à 74 mètres de hauteur, pareil à un cobra dressé, symbole de la royauté. Suivant l'heure à laquelle on la regarde, elle semble coiffée d'une couronne blanche ou d'une couronne rouge. Mosis III, sixième pharaon de la dix-huitième dynastie, fait inscrire sur une stèle, en 1457 avant JC, qu'Amon lui est apparu en songe et qu'il habite le guébel Barkal. Ainsi, la Nubie et l'Égypte sont-elles les deux moitiés d'un même royaume, le royaume d'Amon, uni dans un passé mythique Durant des millénaires, l'Égypte traverse périodes fastes et temps de déclin. Dans ces périodes contraires, elle s'effrite en myriades de principautés antagonistes et sombre dans la décadence politique et culturelle. Ce sont des circonstances propices aux invasions de ses voisins. En 747 avant JC, profitant d'un affaiblissement égyptien, le roi Nubien Pillé prend le pouvoir dans la vallée du Nil, inaugurant une dynastie de pharaons noirs qui marqua profondément la civilisation égyptienne. Le roi Pillé conquiert Thèbes, s'empare du grand centre religieux de Memphis. Les récits dont nous disposons décrivent ce nouveau pharaon comme un homme pieux et droit, évitant de verser inutilement le sang, clément avec ses ennemis. Ces qualités lui vaudront des Romains et des Grecs de l'Antiquité le qualitif de sans tache. Une fois le nord pacifié, il retourne au pays de Couches et s'installe à Napata, où il s'éteint en 716 avant J.C. Le frère de Pillé, le pharaon Shabaka, prend sa succession. Il s'installe à Memphis, guéroit victorieusement contre les chefs assyriens et saïtes, réunifie le sud et le nord. En même temps, il couvre le pays de temples, redonnant toute sa vitalité au culte des divinités égyptiennes. On peut supposer que les pharaons noirs nubiens se sentaient responsables du maintien des traditions religieuses. Cette volonté de renaissance propre aux pharaons noirs montre bien que les Nubiens ne se sentent pas étrangers en Égypte. Leur conquête ne répond qu'à une simple volonté expansionniste. Leurs motifs sont plus profonds, plus religieux aussi. Les Nubiens se pensent et se sentent à la fois héritiers et ancêtres des pharaons d'Égypte. Leur domination est dans l'ordre divin des choses un nécessaire retour à l'âge d'or du royaume unifié d'Amon qui pourrait apparaître comme le premier monothéisme de l'histoire de l'humanité. Les pharaons noirs de la 25e dynastie sont, comme l'écrit l'égyptologue Timothy Kendall, les représentants terrestres que Dieu a choisis pour unifier et protéger son ancien royaume. On comprend leur souci de rendre à l'Égypte la splendeur de son passé en s'appliquant à faire renaître les traditions de l'Ancien et du Moyen Empire. Le successeur de Shabaka, Shabataka, neveu de Pillé, est couronné en 702 avant J.C. à Thèbes. Durant les vingt années de son règne, il assure la paix, consolide les croyances égyptiennes et développe considérablement les arts dans l'esprit de ses ancêtres. Son frère, Taharka, lui succède. Taharka, le pharaon noir, dont les œuvres sont universellement reconnues, s'inscrit dans la grande lignée des bâtisseurs du Nouvel Empire. Plus encore que ses prédécesseurs, il revient aux anciennes traditions. Les pyramides comme monuments funéraires, le style archaïque hiéroglyphique. Son programme de construction reste légendaire. Il construit des temples sur tout le territoire, à Ibrim, -e Semna, Bouhen, il rénove Thème, notamment Karnak où il fait agrandir le lac sacré et ériger, dans la première cour du temple, un kiosque aux colonnes hautes de 21 mètres. Les édifices qu'il fait construire sont stupéfiants de beauté et d'originalité. Dans sa Nubie natale, il restaure le temple de Gebel Barkal, sanctuaire souterrain et temple d'Amon dont les salles creusées à même la roche de la montagne sacrée sont en ruine depuis leur achèvement sous Ramsès II. Il décore les murs d'inscription, répare les pylônes, les colonnes, fait venir de très loin des statues géantes, des lions en granit rouge. Il donne un véritable élan à la sculpture qui, tout en affirmant la tradition égyptienne, conserve un caractère nubien. À Méroé, capitale du royaume de Kouche au VIe siècle, il subsiste une cinquantaine de pyramides. On en compte près de 300 au Soudan. droit et juste, il mène une politique d'équilibre et d'harmonie, dans le respect de la loi de Maat. Le Livre des Morts des anciens Égyptiens, que l'on considère comme la Bible de l'ancienne Égypte, en rappelle les préceptes, premiers devoirs du pharaon. Pratique la justice, et tu dureras sur terre. Apaise celui qui pleure. N'opprime pas la veuve. Ne chasse point un homme de la propriété de son père ne porte point atteinte aux grands dans leur possession. Garde-toi de punir injustement. En proie aux menaces de princes du Nord et des envahisseurs assyriens, Tarka lutte pied à pied et se montre d'abord assez puissant pour repousser l'invasion, ce qui lui vaut de figurer dans la Bible. Mais il est finalement vaincu à Memphis par le roi d'Assyrie, Assaradon, en 674 avant J.C. Les annales de ce souverain racontent à quinze jours de marche de Memphis, sa résidence royale, j'ai combattu quotidiennement sans interruption au cours d'affrontements sanglants contre Ta'arka, roi d'Égypte et de couche, que les dieux maudissent. Cinq fois, je l'ai atteint de la pointe de mes flèches, lui infligeant des blessures mortelles. Puis, je fis le siège de Memphis, sa résidence royale, et je la conquis en une demi-journée au moyen de mines, de brèches et d'échelles d'assaut. Je l'ai détruite. J'ai abattu ses murailles et j'y ai mis le feu. J'ai saisi comme prise de guerre sa reine, les femmes de son palais, Oushanoukourou, son héritier présomptif, ses autres enfants, ses biens, ses chevaux, son bétail, grand et petit, en nombre incalculable. Défait, ayant perdu toute sa famille, son armée et sa capitale égyptienne, Taharka se replie sur Thèbes d'où il organise la résistance. Deux ans plus tard, il reprend le contrôle de Memphis et d'une partie de la basse Égypte. Mais le successeur d'Assaradon, le mythique Assurbanipal, décide d'en finir en vertu d'un oracle et écrase l'armée de Tarqa lors d'un grand affrontement en terrain découvert. Taarka, contraint de se réfugier à nouveau à Thèbes, médite sur ses terribles échecs. Ceci conclut-il s'explique par la répétition d'événements mythiques qui annoncent le ressurgissement des forces du chaos dans le double pays. De ces dernières années, on sait peu de choses sauf qu'il veille à ce que le plan des salles souterraines de sa sépulture pyramidale de 60 mètres de haut, la plus haute jamais érigée au Soudan, soit une réplique de la sépulture symbolique d'Osiris, dieu des morts. Foudroyé par les forces du chaos, il s'identifie à ce dieu tué par son frère Seth, puis ressuscité par Isis et Nephthys. Comme lui, il revivra. Les forces du mal seront chassées, il rétablira le Mahat et l'unité dans l'Empire. Après sa mort, ses successeurs perpétuent la tradition de l'Antique-Égypte, convaincus d'être les seuls gardiens légitimes de la montagne sacrée. Pour les hommes de l'Antiquité qui afflueront bientôt en Égypte, c'est la Nubie qui a engendré la culture égyptienne. Gaston Maspero, professeur au Collège de France, a résumé dans son ouvrage Histoire des peuples de l'Orient, 1886, la pensée de l'Antiquité sur les Égyptiens. Au témoignage presque unanime des historiens anciens, ils appartenaient à une race africaine, entendez, nègre, qui d'abord établie en Éthiopie sur le Nil moyen, serait descendue graduellement vers la mer en suivant le cours du fleuve. L'histoire de Taharqa et de la 25e dynastie fait partie des récits sur les pharaons noirs acceptables par tous. Je n'ai cité comme exemple de négritude des pharaons que celui-là, parce qu'il est le seul unanimement reconnu par les chercheurs. Quant à la nature et aux origines de l'héritage de l'Égypte ancienne, elle constitue toujours un sujet de controverse. Évoquer l'Égypte des pharaons noirs soulève toujours autant de passions et une montagne de préjugés. Le pionnier de l'école africaine, celui par qui le scandale arrive, est Sheikh Antadiop, 1923-1986, scientifique sénégalais dont les recherches contribuent à réintégrer l'Égypte dans l'histoire générale africaine. Sa thèse, selon laquelle la civilisation égyptienne appartient au monde négro-africain, l'impérialisme occidental ayant blanchi la prestigieuse Égypte aux seules fins de maintenir la colonisation, déclenche en 1954 un tollé dans le milieu universitaire français. La position de Cheikh Diop sur l'Égypte noire s'explique par sa rigueur scientifique et ses engagements politiques. Combat contre l'apartheid en Afrique du Sud, pour la démocratie et la laïcité au Sénégal. La parution de Nations Nègres et Cultures en 1954, étendard d'une révolution culturelle que les nègres agitaient sous le regard d'une puissance coloniale se résignant mal à lâcher ses territoires d'outre-mer, selon Liliane Kestelhout, historienne de la littérature africaine, déclencha l'enthousiasme des écrivains de la négritude. Aimé Césaire qualifia ce livre du plus audacieux qu'un nègre ait jusqu'ici écrit et qui comptera, à n'en pas douter, dans le réveil de l'Afrique. Jusqu'aux années 1950-1960, les historiens européens, occidentaux et arabes n'ont pas cessé de traiter l'Ancienne Égypte comme une partie des racines de leur propre histoire, et non comme une partie de l'Afrique elle-même. Le résultat, c'est que l'Égypte ancienne a été coupée de l'Afrique noire. L'attribution des grandes œuvres de la civilisation à une mythique migration blanche n'est pas nouvelle. Au XIXe siècle, la découverte de la magnifique civilisation du Zimbabwe déclencha une vive réaction des savants du monde entier. La cité n'a pas été construite par des Africains, car le style de construction est trop élaboré. C'est l'œuvre de colons phéniciens ou juifs, affirmait l'allemand Karl Maur en 1871. Quant à l'archéologue anglais Theodore Bent, il concluait vers 1890 que la civilisation du Zimbabwe était l'œuvre de descendants d'envahisseurs blancs venus du Nord. Il faudra attendre le XXe siècle pour que des égyptologues comme Jean Leclan, professeur au Collège de France, et Jean Vercouté, de l'Université de Lille, entament un remarquable travail sur l'antiquité nubienne et déclarent, lors de l'important colloque international du Caire en 1974, que l'Égypte est africaine dans son écriture, dans sa culture et dans sa manière de penser. Les thèses de Sheikh Anta Diop sont enfin acceptées, du moins en partie. En effet, alors qu'aux États-Unis ses travaux sont cités et reconnus, un certain nombre de chercheurs européens les taxent encore d'afrocentristes. Ils lui reprochent une posture idéologique et non scientifique. Ils l'accusent d'avoir noirci l'Égypte afin de réveiller la conscience des Noirs africains en leur faisant miroiter un illusoire passé prestigieux. N'étant pas expert, il ne m'appartient pas d'établir la part du vrai. Mais il n'empêche que les textes nous montrent que le royaume de Kouche et le royaume d'Égypte n'étaient pas étanches, leurs échanges pas seulement marchands, leur culture et leur population traditionnellement mixées. Quant à la possibilité de règne alternant, elle est démontrée par le règne de la 25e dynastie. Malgré le profond changement de perspective qu'a apporté le travail de Sheikh Antadiop, L'éloignement dans le temps et la lecture occidentale maintiennent encore l'histoire de l'Égypte dans une certaine obscurité. Les règnes des pharaons noirs n'ont pas livré tous leurs mystères. Volney, orientaliste et philosophe français, au retour d'un voyage en Égypte en 1783, avait écrit: Quel sujet de méditation de voir la barbarie actuelle des Coptes, issue de l'alliance du génie profond des Égyptiens et de l'esprit brillant des Grecs? de penser que cette race d'hommes noirs aujourd'hui notre esclave est l'objet de nos mépris et celle-là même à qui nous devons nos arts nos sciences et jusqu'à l'usage de la parole.